Hey les gens! Oh non, ça c'est Hugo Délire qui le dit. Salut tout le monde, c'est Pegelman et attention, Bomba! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je dirais, je vais essayer de mettre Pumba pour pas qu'il tombe, comme ça il est disponible tout le long de la vidéo. Pumba ne tombe pas. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je dirais annonce sur CSGO en live, en face commentary. Donc, déjà, avant tout, je voudrais vous remercier pour ce qui s'est passé hier. J'avais fait un live sur Twitch, mon premier live sur Twitch TV. Et ça s'est vraiment très très bien passé. Donc là, on va en match à mort par équipe sur DS2. Je sais pas si je vais faire ça. Je crois que je vais faire ça. Donc j'avais fait mon premier live sur Twitch TV et c'était vraiment nickel. Vous avez répondu présent. Bon, je l'avais fait un peu à l'arrache parce que je voulais tester un peu voir comment ça fonctionnait et tout ça. Et donc, alors, est-ce que j'ai le temps ou le... J'ai pas le temps de finir la game. Sur tous, je crois que j'ai changé de game. Revenir au menu principal, je vais lancer un course à l'armement. Donc comme je l'avais dit, je voulais tester un peu, voir comment les lives ça fonctionnait et tout ça. Et Pumba, on va le mettre en fait comme ça. Voilà, comme ça. Il vous regarde. Pumba nous regarde. Donc voir comment ça marchait, ce genre de choses et tout ça. Donc je suis un gros débutant, mais les choses vont s'améliorer, ça c'est sûr. Donc on va en course à l'armement parce que c'est un peu plus fun, c'est plus rapide. Et c'est sur des maps dédiées à ça. Donc je pense refaire ça. Je ferai certainement des vidéos annonces sur... oh là là, il y a des bots, c'est pas bien. Je ferai certainement des vidéos annonces sur YouTube pour dire, pour vous donner rendez-vous justement pour faire ce genre d'activité. Je sais pas pourquoi je dis lucrative pour faire ce genre de choses. Ça fait déjà 3 minutes que j'ai lancé la vidéo et ça fait 3 minutes que je n'avais pas encore commencé à jouer mais que je suis en train de parler. Oui, nous sommes en direct les gens. Et donc comme j'ai dit, je ferai une vidéo annonce sur ma chaîne, genre pour annoncer ce genre d'événement, ça risque d'être intéressant. Donc ça c'est sûr que je le ferai. Et j'ai vraiment kiffé comment c'était, première expérience niveau interactivité avec les gens sur live, c'était vraiment pas mal. Donc j'avais joué à LoL et j'avais fait une partie sur CSGO, donc deux parties de LoL et de League of Legends et une partie de CSGO. Et le live avait duré environ 3 heures et c'était vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, donc parenthèse close, on va commencer le petit échauffement. Donc c'est du match à mort par équipe, c'est cool. C'est encore, en fait c'est la même partie qu'avant, mais bon c'est pas grave. On va jouer comme ça, for fun. Donc je vais profiter de cette vidéo pour vous dire un de mes projets que je vous avais annoncé lors de mon retour du service militaire. Je voudrais en fait lancer en fait des inscriptions pour faire un style de show match en fait avec les abonnés sur Counter-Strike Global. Counter-Strike Global Offensive PC, bien entendu, hein, en FPS. Et en FPS, ça se joue au clavier et souris. Donc là, je viens de faire un petit enchaînement assez intéressant. Ah, là, je viens de mourir. Donc, lancer des inscriptions. Donc, à savoir que les matchs compétitifs sur Global Offensive, ça se fait en 5 contre 5. Donc, moi, bien entendu, je ferai partie d'une équipe. Donc, je choisirai l'équipe ou tout ça. Et donc je profite de cette vidéo pour vous parler un peu le déroulement de la chose. Il voulait me cut le mec. Trickshot. Donc je profite de la vidéo. Donc là je suis en train de tuer les gens. Là les gens. Donc là bon je suis déjà premier. Donc ça s'annonce bien pour la partie. Donc profitez de cette vidéo pour lancer des inscriptions pour pouvoir participer à la vidéo au show match. On va appeler ça le show match, le Pegon show match qui aura lieu un certain jour. Donc moi je pense faire ça à la limite en fin de semaine.
Donc, je pense que c'est la, genre un vendredi soir ou un samedi soir. Donc, la date, bah, je la confirmerai certainement en annotation sur cette vidéo même ou au niveau de la description. Ou peut-être à la fin de cette vidéo. Mais je pense que honnêtement, faire un show match le vendredi soir, c'est la meilleure date parce que tout le monde sort de cours. Tout le monde est en week-end. Et pour ceux, moi je travaille le samedi, mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc je suis à 14-4. On arrive bientôt à la fin de la game. Donc il y a 9 places de disponibles. Donc moi je prends déjà une place. Et il suffit tout simplement en fait de dire dans les commentaires je participe au show match. Et après bah, moi je ferai courant semaine prochaine, donc en milieu de semaine prochaine, une vidéo, je pense le mercredi ou le mardi, pour choisir pour faire justement là j'ai le snipe. Allez, je dis que je tue un scope. Un scope, j'y arrive pas. C'est pas grave. Donc je pense le mercredi pour faire la vidéo. La vidéo tirage au sort de qui participera. J'espère qu'il y aura pas mal de participants. Parce que mon dernier concours, j'avais un peu trop demandé. Là, c'est pas trop demandé. Hein. C'est justement, je sais que dans ma liste amis, il y a beaucoup de gens qui ont le jeu. Donc, ça serait super intéressant de faire cette activité sur ma chaîne. Voilà, c'est Bot Will qui m'a tué. C'est super, un bot qui me bute. C'est super intéressant. Donc voilà, donc je rappelle le principe, show match sur CSGO, PC, en 5 contre 5 sur mon serveur, donc j'ai un serveur, un Crystal Serve. Il m'arrive souvent, quelquefois, de jouer avec les abonnés, et là pourquoi pas jouer avec les abonnés en match compétitif, et tout ça streamé par quelqu'un qui voudra bien que je connais, je pense qu'il sera d'accord de faire ça. Donc c'est Snipped, il avait déjà streamé quelques matchs CSGO que j'avais fait et aussi CS 1.6 lorsque j'avais fait mon bootcamp. Quand j'avais fait les show matchs, petite soirée, oula, petit enchaînement, pas de tête. En fait, j'arrive bientôt à la fin. Oula, je vais peut-être perdre. Voilà, le dernier frag, c'est le dernier frag au cut. Donc on va essayer de faire le dernier frag pour pouvoir remporter la course à l'armement. Donc l'ennemi est là, il est pas là, il est là. Et j'ai pas réussi à le cut. Donc je lance les inscriptions. Donc postez tout simplement dans les commentaires je participe au show match. Donc pour plus de précision bien entendu il y a la description. Et après, bah, je ferai une vidéo tirage au sort. Voilà. J'ai gagné. Pegelman a gagné. Voilà, ça c'est super. En live, et je gagne. Donc, je reviens sur le menu. En bref, c'est pas grave. Donc, mettez un commentaire dans le... Là en dessous. Enfin, je sais pas si je mettrai en bas, en haut, à droite. Enfin, bref. Peu importe. Donc mettez un commentaire dans la description. Postez un commentaire. Donc je suis totalement mode spontané. Donc postez un commentaire sur cette vidéo en disant je participe au show match qui aura lieu je pense le vendredi. Je pense que c'est la meilleure date, vendredi soir. Comme ça tout le monde rentre de l'école, tout le monde est content. Donc pour moi c'est la meilleure des solutions. Donc je vais revenir au menu principal de CSGO. Je vais me reconnecter sur Steam et après bah, je pense que je pourquoi pas un petit live ce soir à voir sur CSGO parce que j'ai vraiment kiffé ce qui s'était passé hier. Donc je récapitule, je me répète, ça c'est toujours comme ça. Donc postez un commentaire je participe au show match, je pense qu'il aura lieu le vendredi, donc vendredi dans une semaine, nous sommes le 31. Faut dire que je fais cette vidéo totalement en mode spontané, comme j'avais annoncé hier que je ferai une vidéo le lendemain. Donc, le vendredi 7 juin, donc le 7 juin, voilà,
le 7 juin. Le 7 juin aura lieu le show match. Et le mercredi de la semaine prochaine, je ferai la vidéo tirage au sort. Donc, qui choisira, où je choisirai les joueurs avec qui jouer dans mon équipe et les joueurs qui vont jouer dans l'équipe adverse. Et tout ça, bah, on sera en fait dans le, sur mon serveur. Et je vais m'arranger pour que Snipped puisse streamer sur son stream Twitch le match et qui sera à l'avenir retranscrit, pourquoi pas, sur ma chaîne. Donc il y aura beaucoup de pas mal de vidéos ces jours-là, notamment une petite review que j'ai fait récemment. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai été clair. Donc dans la description, il y a vraiment tout ce que je vais mettre détaillé, donc tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'il faut faire pour participer. Et donc voilà. Donc, mis à part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo que je dois faire plus souvent au niveau mode face commentary. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, en même temps, on peut regarder mes statistiques. Hein. Elles sont magnifiques, elles sont trop bien, c'est super cool. Dernier match, blablabla, distinction, succès. J'ai plein de succès sur CSGO. Enfin bref, c'est pas le but, c'est pas le but du jeu. Donc voilà, je voudrais encore remercier les gens qui ont répondu présent hier. Donc c'était un live test. Un live test. Beaucoup de choses vont arriver sur ma chaîne, vont se passer bientôt. Je suis un peu content de ce qui se passe un peu également sur ma chaîne et tout ça. Les retours que vous me faites sur mes vidéos reviews, c'est vraiment super. Et donc voilà. Donc moi je vous dis... à bientôt, à mercredi pour le tirage au sort pour qui veut participer, qui jouera à ce show match. Donc il y a 9 places de libre. Je prendrai 9 personnes au hasard. Je ferai certainement un tirage au sort via random.org, qui est un très très bon site. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et restez connectés parce que c'est très important. Sur Twitter, sur Facebook, je poste énormément de choses, je poste comment je vais, comment tout ça. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Pegelman et Pumba. Et les autres Pumba, ils sont ici. Attention, invasion de Pumba. Allez, ciao tout le monde, et je vous fais plein de bisous. We'll be right back.